Enfant de Dieu, au vie mauton. Sois un modèle. Fils de Dieu, au vie mauton. Fille de Dieu, sois un modèle. Toi qui t'appelles saint, élu, qui te prépare pour le retour de Jésus. Alors ce matin, le Seigneur t'interpelle à être un modèle. Sois un exemple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que tout ce qui se passe au ciel se reflète sur la terre. Tout ce qui se passe au ciel, tout ce qui se fait au ciel, se fait aussi sur la terre. Nous qui nous appelons chrétiens, alléluia. Puisque le ciel, c'est le modèle parfait de ce que Dieu veut. Alors il veut que aussi sur terre, nous rétablissons son modèle dans notre préparation pour le rejoindre au ciel. Alléluia. C'est pourquoi au départ, le Seigneur va révéler à Moïse pour la construction du temple le modèle du ciel. Et il va construire exactement selon le modèle que le Seigneur lui a montré. Alléluia. Et quand tu as créé l'homme, tu as fait l'homme à son image et à sa ressemblance, cela veut dire que tu as fait l'homme selon son modèle. Dieu nous a créé selon son modèle. Parce que ce qui fait Dieu est en nous. Ce qui fait Dieu est en nous. Et c'est pourquoi nous sommes créés selon le modèle, selon l'exemple parfait de Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si nous sommes chrétiens, la Bible nous dit dans Philippiens que notre cité est céleste. Notre cité est dans les cieux. Et c'est de là-bas que nous tirons notre existence. Et dans sur la terre, nous devons vivre exactement comme on vit au ciel. Nous devons marcher exactement comme on marche au ciel. Nous devons voir les choses comme on les prend au ciel. Nous devons parler comme on parle au ciel. Nous devons nous entretenir comme on s'entretient au ciel. Nous devons adorer Dieu comme on adore Dieu au ciel. Nous devons célébrer Dieu comme on célèbre Dieu au ciel. Nous devons craindre le Seigneur comme on le prend au ciel. Alléluia. Prenez le Seigneur. Et en fil du temps, puisque les hommes se sont détournés du modèle, quand Dieu l'a révélé, Dieu lui-même va descendre pour montrer aux hommes le modèle à suivre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ va venir sur terre pour nous montrer le modèle parfait, le modèle de vie que nous devons suivre. La vie que nous devons mener ici sur terre pour pouvoir lui plaire. Parce que tout ce qui est au ciel plaît à Dieu. Alors si nous sommes sur terre, nous devons aussi lui plaire. Alléluia. C'est pourquoi nous appelons Jésus le modèle parfait. Jésus-Christ est le modèle parfait. Alléluia. Quand Jésus était sur terre, les hommes nous demandent pourquoi il prit le Père. C'est pour nous apprendre à prier. Tout le parcours de Christ sur terre, c'est pour nous apprendre comment nous devons agir.
cachés. Ce que nous devons faire. Alléluia. Il est parfait en tout. En sainteté, en amour, en pureté, en intégrité, en justice, en droiture, en équité, en tout, en parole, en conduite. Il nous a montré tous les détails. Alléluia. Prenez le Seigneur. Nous allons lire d'abord 1 Timothée 4, 12. Ce passage va nous servir beaucoup de repères dans cet enseignement. 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Oui. Je lis le nom de Jésus-Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en purité. Alléluia. Amen. Voilà une recommandation. Adresse à son fils dans la foi Timothée. Et il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Nous allons revenir sur ce verset. Alléluia. Premier le Seigneur. Les premiers qui ont marché avec le Seigneur. Les apôtres. Ils ont vu le modèle. Ils ont touché du doigt le modèle. C'est pourquoi Jean pouvait dire. Dans 1 Jean 1, à partir du verset 1, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que même nous avons touché, c'est ce que nous vous annonçons. Et c'est Jésus, le modèle de la vie chrétienne. Je l'ai toujours dit, être chrétien, mais la vie de chrétienté, c'est ça qui détermine, si tu es chrétien ou pas. Prenez le Seigneur. Mais si nous voulons être un modèle, il est important que nous ayons aussi un modèle. Voilà, nous devons avoir un modèle. Il doit avoir quelqu'un que tu suis. On va dire Jésus est le modèle parfait. Là, il n'est plus là. Mais il est là. Par son esprit. Il a laissé en nous. C'est pourquoi il va dire aux apôtres. Détruisez ces imitateurs. Pour marcher selon ce qu'il a dit. Étant même sur terre. Jésus étant sur terre. Il amenait déjà les disciples à être des modèles. Il faisait d'eux des modèles. Parce qu'il sait qu'un moment venant, il va partir. Si le modèle quitte la terre, il doit laisser une trace. C'est la trace qui sont les apôtres. Alléluia. Amen. Et nous sommes appelés à marcher selon les apôtres. Il faisait d'eux des apôtres. Nous avons été sous le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ était lui-même la pierre. Nous sommes appelés à marcher selon le modèle des apôtres, le modèle des prophètes. Jésus-Christ lui-même était le modèle parfait, le modèle de base. Alléluia. Nous allons lire Philippiens 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en oubli. Vous soyez mes imitateurs, et suivez et marchez selon le modèle que vous avez en oubli. Donc les apôtres étaient des modèles pour les disciples qui ont eu affaire. Alléluia. Amen. Et ces disciples sont appelés à marcher sur le modèle. Parce qu'ils savent eux-mêmes qui sont le modèle parfait. Lorsque nous voulons marcher avec le Seigneur, nous ne pouvons pas nous lancer dans la marche. Le Seigneur va te mettre auprès de certaines personnes. Le Seigneur va te mettre auprès de quelqu'un qui sera ton guide. Et c'est ce que nous appelons souvent ton père dans la foi. Timothée avait Paul comme père dans la foi. Comme plusieurs autres dans la Bible. Tu ne peux pas vouloir marcher avec lui. Et ne pas chercher un modèle.
Je le dis, je le répète. Le modèle parfait de base, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand il quittait la terre, il a laissé des traces de son modèle qui était les apôtres et ceux qui les ont suivis. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs de l'homme, j'ai moi-même été imitateur de Christ. Si tu dois avoir ton modèle, qui doit être ton modèle? Ton modèle, c'est un modèle de Christ. Je ne sais pas si tu comprends. Ton modèle dans la foi, c'est un modèle de Christ. Quelqu'un qui marche selon le modèle de Christ. Alléluia. Quelqu'un qui enseigne, mais qui pratique la sainte doctrine. C'est lui qui peut être ton modèle. Alors qu'est-ce qu'un modèle? Premièrement, un modèle, c'est un exemple. Un modèle, c'est un exemple. Quand tu suis, du genre, un tenancier. Et nous comptons. Encore que tous les démocrates ne sont pas des modèles. Nous comptons commencer à padre. Un modèle, c'est quelqu'un qui marche. À padre, mais aux autres. Quelqu'un qu'on peut imiter. Mais les cigans photo. Quelqu'un qu'on peut chercher à ressembler. Mais les cigans ou à nous brandir. Nous comptons. Voilà. Et Jésus-Christ étant le modèle parfait, il a gagné à padre et tout d'abord. Selon le livre de Philippiens 2 verset 5, dit ouais, Philippiens 2 verset 5, ah oui. Il va vous dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans mes titres, dès qu'on y ou alors dès qu'on y est là, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dès qu'on ou alors les titres, mais ou alors les titres de Jésus-Christ là. Parce que lui, il n'a pas péché. Et moi, il n'a pas. Lui, il a été tenté en tout. Selon Hébreux 4, verset 15, il est Hébreux 4, il a été tenté en tout, mais il n'a pas péché. Il n'a pas succombé à la tentation. Il ne s'est pas laissé aller à la tentation. Tout cela pour montrer un modèle que les hommes doivent suivre pour entrer au ciel. Un modèle de la foi, c'est comme une échelle que tu vas monter pour entrer au ciel. Alléluia. Amen. Prenez dans le Seigneur. Mais on a ton Dieu. Étant chrétien. T'as dit, c'est non. Chrétien signifie petit Christ. C'est non, t'as dit. Christ Père. Nous sommes tous appelés mais, à imiter Christ. Il y a Christ. À être comme lui. Nado, t'as dit, oh. Alléluia. Nous sommes tous appelés à être comme lui. Parce que je l'ai toujours dit que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétien. Christi. À Antioche. Antioche. Nous allons lire à 11 verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunissaient aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Amen. Ils s'étaient réunis en assemblée. Il était écrit. On y a un jour, on a des chrétiens. Mais la Bible a précisé qu'ils ont passé plusieurs années là. Et les gens d'Antioche les observaient. On les regardait. Comment ils agissent? Comment ils se comportent? Comment ils parlent? Comment ils marchent? Et ils se sont ceux-là, ce sont ceux qui ont suivi Christ. On les a appelés chrétiens. Petit Christ. Dès que nous acceptons Christ, la dernière fois, je leur dis, accepter Christ, c'est suivre Christ. C'est marcher dans le même chemin ou dans la même voie que lui. C'est suivre son exemple de vie. Alléluia. Prenez le Seigneur pour être modèle. Puisque le thème c'est chrétien, soit modèle. Il faut suivre le modèle. Quelqu'un qui veut être modèle, mais il y a pas de. Il faut suivre le modèle. Quand nous étions, pour ceux qui sont encore à l'école, surtout en devoir de mathématiques, sur le problème, il y a un cube. On dit représenter le schéma sur le preuve.
le dessin est coton. Et tu regardes, bah, non, quoi, tu fais. Ah, non, quoi, si le trait oblique, non, quoi, bah, non, tu traces oblique. Ah, yes, non, si le trait est droit, non, toi, droit, tu traces le trait. Ah, non, et tu représentes exactement. Oui, à mon nom, à ce moment, à ce moment, c'est la chose que la masque. Non, pas le soigner, mais il s'est tombé. Tu vois comment il fait. Ah, non, pas le bon. Et tu le fais. Bon, yes, non, bah, tu vois comment il marche. Ah, non, pas le bon. Et tu marches. Bon, yes, non, et il tourne à gauche. Oui, il y a un mieux. Tu tournes à gauche. Ah, mais il va en haut. Non, il y a gars. Tu vas en haut. Ah, non, il y a gars. Alléluia. Amen. Prenez le Seigneur. Être un modèle, c'est une obligation pour tout chrétien. Quand je te dis sois un modèle, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas si je veux, je serai un modèle. Mais c'est une obligation. Hein? C'est une nécessité pour toi d'être un modèle. Parce que si tu n'es pas modèle, cela veut dire que tu n'as pas suivi le modèle. Et si tu n'as pas suivi le modèle, on ne peut même pas t'appeler chrétien. Alléluia. Si nous ne sommes pas des modèles, cela veut dire que nous n'imitons pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Primé, et quand sera-t-il? Et tu as une raison. Si ton modèle, ni à partir de toi, se dépend. Ou se démodélise. Celui qui était pour toi un modèle, s'il arrivait, ne va pas. Qu'il se démodélise. Hein, c'est-à-dire il enlève son manteau de modèle. Que vas-tu faire? Non, vas-tu aussi enlever ton manteau de modèle? Vas-tu le suivre bêtement? Parce que je vais appeler ça bêtement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand ton modèle se démodélise, tu restes ferme. Tu restes ferme. Pour ne pas aller à la bête avec lui. Premier soir matin, le ciel veut t'interpeller à être comme les chrétiens de Béret. Quand ils reçoivent la parole, ils vérifient. Est-ce que c'est conforme? C'est à un moment donné. Celui que tu suis comme modèle, se tait de la voix du Seigneur. Reste ferme. Notre gris. Si lui n'a pas pu être un modèle parfait, tu dois être un modèle parfait. Écris ça sur la table de toi. Tu vas dire je dois alors le être un modèle parfait. Alléluia. Amen. Prenez le Seigneur. Ceux qui viennent nouvellement dans la foi, ils doivent trouver un modèle. Celui que tu gagnes à Christ. Celui que tu as évangélisé. Tu lui as parlé de Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Il doit trouver en toi le modèle. Le modèle. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne méprise donc ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Un modèle pour les fidèles. Vous m'avez dit, Seigneur, nous devons être des modèles. Et aujourd'hui, nous allons parler de modèles. Chrétien, tu dois être un modèle dans l'église. Et tu dois être un modèle dans le monde. Alléluia. Amen. Tu dois être modèle non seulement dans l'église, mais aussi dans le monde. Si tu es modèle seulement dans l'église, et que tu ne l'es pas dans le monde, tu es un hypocrite. Et le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Amen. Mais avant d'aborder cela, le modèle. Le premier modèle de l'église, ce sont les bergers. C'est pourquoi Pierre va dire dans 1 Pierre 5, verset 3, nous allons lire. Faisait le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas comme frère, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec un débrouillement. Non comme un dominant sur eux, sur ceux qui poussons échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. En étant des modèles du troupeau. Bien s'adresse ici aux serviteurs. Et aux servantes. Toi qui es chantre, le Seigneur t'appelle à être modèle. Pour ceux qui sont là-bas. Serviteurs,
Le Seigneur t'appelle à être modèle pour ceux qui sont devant toi. Et c'est cette recommandation que Paul donne à Timothée. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 3, l'apôtre Paul va dire que nous avons montré le modèle pour que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. C'est pourquoi nous travaillons de jour en jour. Nous travaillons sur nous-mêmes pour vous montrer le modèle que nous avons reçu des apôtres. Le modèle que nous avons reçu de ceux qui nous ont devancés. Ce même modèle qu'ils ont reçu de Christ, qui est le modèle de base. Pour que vous puissiez suivre ce modèle, pour devenir avant tout des modèles. Pour ceux qui viendront à Christ après tout. Alléluia. Le disciple David doit chercher à être modèle pour les autres. Alléluia. Il doit marquer les autres positivement. Quand tu es chrétien, hein, et que tu es quelque part, tu dois on doit sentir qu'il y a quelque chose de spécial. Tu dois laisser une trace, une marque, les malheurs à toi. Si tu laisses une mauvaise marque, tu dois laisser une trace de modèle, une trace d'exemple qu'on peut suivre, selon lequel l'on peut marcher, selon lequel même les païens chercheront à marcher. Nous en viendrons. Alléluia. Amen. Être modèle, c'est se demander que ferait Christ. Non. Que ferait Christ? C'était Christ Nabati. Voilà. Que dirait Christ? C'était Christ Nado. Et comment Christ marcherait? Non, Christ ne jouait pas. Comment Christ réagirait? Non, Christ non, ça on veut pas. Si c'était lui, rien de nouveau. C'est ça être modèle. Où est-ce qu'il a pas dit? Si tu veux être modèle, n'a rien pas dit. Cette question doit tourner au cœur de la grande élève. Tu dois me raisonner dans ton esprit. Quand tu es devant une situation, tu te demandes comment Christ réagirait si c'était lui. Comment, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça qui va t'aider à devenir modèle. Et si tu lis, tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'il a mis tes choses pour toi. Qui te montre le modèle à suivre? Si ton enfant naît et que dans la maison, il n'y a pas d'enfant qui parle, ton enfant aura la difficulté à parler. S'il n'y a pas d'autres petits enfants qui parlent, et papa dit, il parle, et il dit ce qu'il veut. Ton enfant nouveau naît. Ne va pas vite parler. C'est pareil. Il ne va pas vite marcher. S'il ne voit pas les autres marcher, vous êtes au Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut avoir un modèle. Nous allons alors aborder le verset de base. De 1 Timothée 4, verset 12. Oui, Timothée 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais n'est-ce pas vrai au bout de l'eau. Mais sois un modèle. Ni à ta jeunesse. Pour les fidèles. Non, le premier, nous vous allons apporter d'abord être modèle dans l'assemblée des saints. Être modèle dans l'église. Même si tu n'es pas modèle dans l'église, sache que tu es un scandale pour les autres qui sont là. Parce que dans l'église, il y a des forts, il y a des faibles. Et les faibles veulent suivre les forts pour devenir un jour fort. Mais si toi qui es devant, toi qui as cru et qui es dans l'église, tu ne montres pas un modèle. La prophète dit d'abord pour le Christ, c'est pourquoi vous soyez en scandale, ni au juif, ni au grec. Ne sois point un scandale pour les chrétiens. Ne sois point un scandale pour les chrétiens. Et ça dans l'assemblée. Même si tu n'es pas régulier. Et pour la première fois, il doit trouver le modèle en toi. Parce que sûrement, il a écouté quelque chose. Il a entendu quelque chose qui l'a poussé à venir. Mais s'il vient, et qu'à cause de toi,
il ressort, tu vas reconnaître. De son âme. Il dit, sois modèle en parole. Prenez, qu'est-ce qu'un modèle en parole? Être un modèle en parole dans l'église, c'est veiller sur les paroles qui sont ta bouche. Tes paroles doivent refléter l'identité de chrétien. Quand tu es dans l'église, quand tu parles, on doit sentir que c'est le chrétien. Si ce n'est pas le cas, sache que tu détruis la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu as appelé être modèle dans l'église. Et Paul te dit, sois modèle en parole. Quand tu parles, on doit imiter tes paroles. Tes paroles doivent donner le bon exemple. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'église, et c'est des médisances, des calomnies, même dans l'église, en toi tu donnes un modèle. Être un modèle en parole, c'est mettre de l'autre aussi dans ses paroles. Afin de ne plus prononcer des paroles du monde. Parce que si nous sommes convertis, même nos paroles sont converties. Les slogans que tu avais dans le monde, voilà, que tu avais dans le monde, et que c'est le monde qui prononce ce slogan pour la gloire du haut. Quand tu viens en Christ, cela disparaît. Quand tu veux parler, ce que je veux dire, est-ce que Christ pourrait dire ça? Est-ce que les apôtres ont dit ça? Tu dois tâcher de ne pas prononcer des insanités. Des paroles qui n'ont pas de bon sens. C'est ça qu'on appelle insanité. Des paroles qui n'ont pas de sens. Puis tu parles pour parler. Non. Ça, ça ne manque pas au modèle. Ça ne manque aucun modèle pour les frères. Alléluia. Tu ne dois plus prononcer des grossièretés. Tu parles avec des raisons. Tu prononces des paroles maladroites. Des paroles impolies. Même si nous sommes en Christ, oui, nous sommes libres. Mais le respect, il est de mise. Quel que soit l'âge, il faut qu'on se respecte. Et aussi dans les paroles. Alléluia. Amen. Quand tu mets ta pression au serviteur, parle avec respect. Alléluia. Amen. Quand je parle de grossièreté, ce sont des paroles avec beaucoup d'éducation. Tu parles, c'est tout comme si il n'y a pas d'éducation dedans. Alors que tous, autant que nous sommes, nous avons reçu une éducation. Alléluia. Amen. Il faut être modèle dans la parole, comme ce que l'apôtre Paul dit, c'est être modéré dans la parole. Tu dois parler avec modération. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne marque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Alléluia. Celui qui parle beaucoup,
ne manque pas de péché. C'est pourquoi tu peux être modéré dans la parole. Être modéré de la parole. Cela ne veut pas dire ne pas parler avec le Seigneur. Cela ne veut pas dire ne pas parler avec le Seigneur. Il faut parler. Je ne sais pas si je comprends. Être modéré de la parole. Je ne sais pas ce que c'est. Si je parle maintenant, on va dire que je ne suis pas modéré. Si je parle maintenant, on va dire que c'est toujours moi qui parle. Ce n'est pas ça. Réduis tes paroles. Alléluia. Alléluia. Que ce soit des paroles. Qui vous font vous quelque chose, qui vont vous fier, qui vont renforcer la foi. Alléluia. Alléluia. Permet dans le Seigneur, être homme de en parole, c'est quoi de ta bouche, comment soit-il l'édification. Quand tu parles, quelqu'un est édifié. Quand tu parles, quelqu'un est fortifié. Quand tu parles, c'est des paroles d'action de grâce. Éphésiens 4, verset 29 d'abord. Oui, Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quelques bonnes paroles. Au fond d'Abelin, qui servent à l'édification. Moi, je me l'ai dit. Si tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Finalement, personne n'est édifié. Tu parles, personne n'est édifié. Alléluia. Amen. Alors. Quand tu ouvres la bouche, ta parole doit écouter. Cela ne veut pas dire. Quand le culte finit, je ne vais pas parler à personne pour moi. Je vais prendre ça. Je rentre chez moi. Non. Parce que ça aussi, nous allons comprendre. Alléluia. Des paroles d'action de grâce. Si tu es dans l'église et tu es dans ta situation, Toujours tu es là. Malgré que je fais si, regarde, ma situation ne change pas. Je suis toujours comme ça. Je suis comme ça. J'ai pas mangé ma nuit depuis 3 jours. Depuis ça, mais on est dans cette tête. On est dans cette tête. Regarde, personne ne me regarde. Quand je viens à l'église, personne ne me regarde. Personne ne me commande. Si tu parles comme ça, tu te plais. Quand tu parles, tu. Quand tu parles, tu. Vraiment. Ce n'est pas ça le modèle. Ok, quand tu vas parler, tu vois l'autre là, la dernière fois, tu vas tu l'as fait, tu n'as pas constaté, quand tu as toujours que tu fais, il est toujours que tu fais, il ne change pas, c'est toujours ce que tu fais, tu ne vas pas comment il change, tu ne vas pas comment il change, regarde, tu vois, mon dieu, là tu fermes le nez, là tu m'études, là tu n'es pas modèle. Alléluia. Alors, des paroles d'action de grâce et de reconnaissance. Ça va montrer le modèle. Si toi tu es prévencier, tu es venu de la foi avant le temps. Et tu te plais comme ça. Qu'est-ce que l'autre va dire?
Ah bon, ici, là, on se plaît. Hein. Alors, on t'en pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Amen. Nous avons tous les promoteurs dans l'église. Avec le frère. Quand tu veux parler à quelqu'un, il faut savoir parler. Même quand tu veux le répondre, il y a des gens. Nous allons lire. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute expression de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La clameur. Vous comment dire, il va venir. Hé, toi là, en effet. Tiens, venez en retard. Il n'a pas vu en toi l'image de Christ qui est venu. Il n'a pas vu Christ au dernier moment. Alléluia. Amen. Dans ma tête, nous pensons ceci, Bati. Que chacun rendra compte. Lorsque vraiment tu le dis à toi, après ton mauvaises paroles. Dans mes fois qu'on a joué avec toi, on a préféré. Et ce sont tes paroles qui vont te condamner et qui vont te justifier au jour du jugement. Alléluia. Les paroles pleines. Les plaisanteries. Les plaisanteries. Les plaisanteries. Les plaisanteries. C'est pas bon. Ça ne montre pas le modèle en parole. Le Seigneur veut que tu corriges. Et que tu deviennes un modèle en parole. Alléluia. Proverbe chapitre 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Et celui qui ouvre grandes lèvres court à sa perte. Celui qui ouvre grandes lèvres court à sa perte. Alléluia. Amen. Un modèle en conduite. À partir de Nous allons lire d'abord Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en public, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est avoir une conduite exemplaire dans l'église.
Ne soyez pas conforme à ce que la parole de Dieu a enseigné. Alléluia. Amen. Pour donner l'exemple, assure au frère de la foi. Mais votre liste, mais... Et au nouveau converti. Comment tu réagis? Comment tu te comportes? Quel est ton comportement? Quelles attitudes? La conduite que tu as dans l'église. La prophétie, ça doit être exemplaire. Alléluia. Qu'est-ce que la conduite? Qu'est-ce que la conduite? Qu'est-ce que la conduite? La manière d'agir, la façon de faire d'une personne. Alléluia. Alléluia. Être un modèle en conduite, c'est quoi le témoignage de ta conduite doit glorifier le Seigneur Jésus. Et tu dois avoir une conduite juste, une conduite saine. Une conduite irréprochable. Alléluia. Tu dois agir de manière pure, de manière irréprochable, de manière saine. Pour être un modèle. Parce que tu dois être un modèle. Pour le faire. Il y en a qui te suivent. Il y en a qui te regardent. Qui te suivent. Mais si tu agis mal, tu seras une pierre d'achoppement à l'autre. Dans l'église, il y en a qui te regardent. Qui veulent faire comme toi. Qui aiment ton zèle. Il y en a. Vous êtes témoin, et Dieu là aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, qui soit et irréprochable. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, apôtre Paul, quand vous êtes témoin, quand nous sommes témoins, vous êtes témoin, nous sommes témoins, nous avons eu, quand nous avons eu une conduite juste, là, il est irréprochable. Et maman, on est là. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous réagissez aussi? Pourquoi tu fais ce que Dieu ne t'a pas voulu faire? Dans l'église, dans la gourmet. Pourquoi tu n'as pas une conduite pure? Une conduite irréprochable. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de marcher. Nous devons dire. Nous sommes en train de marcher. Nous devons dire. Et tu dois faire l'effort de marcher tel qu'il faut. Voilà, je vais venir vers eux. Alléluia. Amen. Tu dois faire l'effort de laisser de prendre place. Je vous le dis, le Seigneur, si tu ne laisses pas de place, si ta vie chrétienne ne fiance pas positivement la vie des frères de l'Église, c'est un danger pour ton âme. C'est un danger pour ton âme. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ta conduite, ta conduite doit être conforme à la parole. La parole, ce que la parole enseigne, tu dois être conforme à cela. Nous allons lire. Un Pierre 1,15.
1 Pierre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint, dans toute votre vie. Alléluia. Tu dois être saint. Dans ta conduite. Nous prions sanctification, sanctifiez-vous. Mais si tu as pris la sanctification, il n'y a pas un modèle. Si tu as pris la sanctification, il n'y a pas un modèle. Cela ne sert plus à rien. Et maintenant, il dit, sois un saint. Car je suis saint. Si tu veux appeler quelqu'un à un saint, parce que tu es saint. Et bien, toi, il est là. Et bien, maman, tu dors. Mais il faut maman aller dans nos dents. Alléluia. Amen. Ta conduite. Comment tu réagis? Ta conduite est capitale. Je suis sûr. Je suis sûr que nous n'avons pas une bonne conduite. Vous ne serez pas là. Et nous serons en train de vous enseigner. Mais comme il dit, il est dans le fond qui est seul, mais il nous est sacrifié encore. Nous serons en train de jouer. Et puis, veille encore plus sur ta conduite. Veille encore plus. Nous veillons sur ta conduite. Alléluia. Amen. Vraiment, le Seigneur, notre conduite, je le touche, je le répète, elle est capitale. Jacques 3, verset 13. Jacques 3, verset 13. Après, il y a tout le temps. Jacques, chapitre 3, verset 13. Le cadre d'entre vous est sage et intelligent. Qu'il montre sa jeune par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Qu'il montre sa conduite, il va répondre par cette bonne chose. Comment on a donné à de la gagne. Si vous avez dit, je suis sage, il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Il y a des gens qui sont dans le jeu intelligent. Alléluia. Amen. Ça doit témoigner. Parce que ça a un impact dans l'évangélisation. Quand nous allons arriver à l'étape d'être modèle dans le monde, nous allons arriver. Nous allons comprendre. Mais sache qu'autour de toi, il y a des gens qui sont faibles. Qui s'accrochent à toi. Pour devenir fort. Mais si ta conduite est mauvaise. Si tu te mets dans les calomnies, dans le mensonge, quelle est cette conduite? Si tu te mets dans la vie de duplicité, quelle est cette conduite? Ta conduite doit être conforme à ce qui sort. Ce que nous professons ici, oh la sainte doctrine, sans délégation par ci, sans délégation par là. Tes conduites. Dans l'église. Soit à vous-même. Entre les frères. Et puis, avec la douceur de la sagesse. Au mieux, si tu
dans l'église. Et tu es tout dans l'acception de personne. Bon, à mon fond d'accord. Tu es toujours dans l'acception de personne. D'accord. Alors, le bon. Voilà. Je comprends bien ça. C'est un chevaux. Eh bien. Tu es dans l'église. Et tu as seulement des gens avec qui toi tu veux aller. Avec mais alors de quoi est-ce que tu veux? Il y a des gens avec qui non. Mais toi devrais-tu à mon de quoi est-ce que cette conduite. Détaille mon bâton. Que tu montres. Mais alors toi y a dans l'église. Toi. Si tu es dans l'église. Et que tu ne changes pas. Bon ma Dieu. Et que tu te mets inconverti. Bon à ma l'évangile. Quel est ce modèle? Détaille à partir de mon coton. Que tu montres. Bon, à toi, dis-toi, ta conduite là. Nous l'a chanté. Me dire que plus nous ne pourra plus me condamner. Mais pourquoi ça, c'est un peu retourné. C'est vrai. Mais ta conduite là, elle est là. Détaille, nous mettons. C'est elle qui veut te condamner maintenant. Puisque quand tu meurs. Ta conduite te tient la main. Voilà, tu es là, donc, alors tu es. Et te conduis jusque devant le. Voilà, pour le sol. Devant le trône du Père, c'est ça. Ta conduite sera là. Il ne peut pas, alors tu es là. On va dire, parle. Et alors, donc. Conduite va te regarder. Et là, bon. Hey. Alors, tu vas dire, je ne peux pas parler. Alors, ma cigare, alors. Ta conduite. Voilà, tu es là. Surtout dans l'église. Non pas de communion fraternelle. La vie dans l'église. Au fait, on dit, c'est comment est-ce que vous menez ça? Non, mais nous bon. Et il faut qu'on se pose de bonnes questions. Nous avons la vie dans l'église. Au plateau, il se met pas vous je disais tout à l'heure. Quand est-ce que tu finis? On dit la ça qui pose. Je rentre chez moi. Je ne veux pas le problème. Ma Dieu, tout là. Si elle veut, c'est pas, je ne veux pas le problème. Oui, ma Dieu, tout là, je veux pas le problème. C'est parce que maintenant, j'aimerais laisser une main. C'est parce que je ne veux pas trouver dans les lames de 14. C'est une mauvaise conduite. Oui, d'accord. Il faut qu'on se pose la vie. On dit famille. Non, c'est nous. C'est à quoi que chaque fois de ta maison. Quand tu te lèves, tu prends ton sac. À 5h, tu sors. Tu reviens à 15h. Tu sors à 5h. Tu reviens à 15h. Et puis tout, je ne veux pas le problème. Ma Dieu, tu te lèves, mais tu es famille. Viens nous. C'est la conduite. Non, nous nommons. Ou alors. Tout ça, c'est la conduite. Elle est la cause, nous nommons. La conduite que tu tiens vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Non, mais elle est un vrai mais c'est pas que l'aise. Quelle est cette conduite-là? Non, de faire une nommée. Alléluia. Amen. Je vais parler de vos esprits tout à l'heure. Donc, on va aussi finir tout à l'heure. La sagesse. La lumière. La douceur. Et l'union. Ayant une bonne conduite. Nous avons des informations de l'union et programme d'agonie. Alléluia. Amen. Prenez le Seigneur. Mais on va te tourner. Être un modèle en conduite, c'est être soucieux. Je veux correspondre à cette parole. Il est posé au fond de ton vie. Faire correspondre cette parole. Il est posé au fond de ton vie. Au comportement. Pour éviter un décalage. Entre ce que tu dis et ce que tu fais. Alléluia. Amen. La parole ça ne suffit pas. On voit ma tête, c'est la parole et le comportement. Alléluia. Amen. Prenez dans le Seigneur. Amen. Entre vous trois. Pour un peu temps. Nous allons parler du modèle en amour. Nous avons la parole de Wayne. Vous dites soyez modèle. Oui, en parole. Pour vous, en conduite. Pour en amour. Pour Wayne. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler de modèle en amour. Moi, je n'ai pas parlé de moi-même. Sans parler du modèle de base. Moi, d'abord, au total, attends. Plus. Plus. Il est le premier. Qui a manifesté l'amour. Il a manifesté l'amour. Je veux dire d'abord, il nous a aimés. Voilà. Et il a manifesté l'amour. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu as aimé le monde, il a donné son fils Jésus. Tu as aimé, mais il a donné. Il a aimé et il a donné. Il n'a pas dit je vous aime. Ah, c'est quoi ces bras? Je vous aime. On est là. Je vous regarde. Vous me regardez. Je vous aime. Non. Tu as tellement aimé. Il a donné. Et ce moment-là, non seulement il a aimé, mais il a manifesté l'amour. Alléluia. Amen. Il a posé l'acte d'amour. Et moi, dès que vous m'avez dit, Jean 15, 13.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est fini. Et moi aussi. Maintenant, il y en a d'autres. Qui aime? Maintenant, il y en a. À qui aime son frère ici? Mais il y en a d'autres. Qui est ton fils? Allô? Personne ne nous aime, hein? Mais pourquoi il y en a mis? Finalement. Qui aime? Maintenant, il y en a. Ah! Acclame pour toi-même. Pourquoi il y a ce gars? Alléluia. Et acclame le Seigneur. Pourquoi il y a ce gars? Il dit, il n'y a pas de plus grand amour. Et là, on est ma cour, hein? Quand je donne sa vie. Et il dit, permets ton don. Je ne l'ai pas dit. Et maintenant, permets ma tête qu'on va couper pour le faire. Maintenant, tu es là, et tu es là, et tu es là. Quand tu aimes, là, il y en a, tu agis. Alors, voilà, toi, oui, hein? En matière d'amour. Donc, voilà, on est là. Tu poses l'acte. Alors, mais, on est là, pour. Quand même tu ne vas pas à la mort pour lui, tu lui donnes ta vie. C'est-à-dire quoi? Tu prends sa vie et tu lui donnes ta vie. Quand il dit quelque chose, c'est non. Quand il dit quelque chose, voilà, c'est toi qui vis. Tu lui donnes ta santé. Il y a la meilleure de sa maladie. On lui achète des médicaments. Alléluia. Quand il a eu la difficulté pour la fourniture scolaire, mais mon frère, je t'aime. Je t'aime. Mais quand même, à moi, pour ta fourniture. On aime, mais on agit. C'est en cela que nous sommes modèles en amour. Christ nous a aimé le premier. Selon 1 Jean 4, verset 11 à 16. C'est lui qui nous a aimé premièrement. Nous n'avons pas aimé premièrement Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 8. Si on prouve son amour avec nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est pour nous. Christ a prouvé son amour. Christ est pour nous. Il a posé l'acte. Pour te montrer que vraiment alléluia. Amen. Il a agi. Pour que tu saches véritablement. C'est pourquoi il m'a dit. Dans 1 Jean 3, 16 à 18. Nous avons 1 Jean 3, 16 à 18. Oui, tu t'as droit de être un modèle en amour. Et n'y a pas de toi, mais c'est aimer comme Jésus. Oui, t'as dit, aimer comme Jésus. Oui, et c'est pourquoi chaque jour que tu pries. Oui, Seigneur, je veux aimer comme toi. Seigneur, je veux aimer comme toi. Je veux aimer mon frère comme toi. Alléluia. Amen. Je veux même l'aimer pour que moi. C'est ça l'amour. N'est-ce pas pour pousser à agir? Tu m'as dit, je n'ai pas si, je n'ai pas ça. Donc, la Bible dit, la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable. En raison de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. Lorsque tu as bonne volonté là, tu vas aimer. Oui, 1 Jean. Oui. 3, verset 16 à 18. 1 Jean, chapitre 3, verset 16 à 18. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui permet ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec en vérité. Le verset a tout dit. Oui, il faut que le rêve. Alléluia. Amen. Il dit, alors, si quelqu'un a possédé des biens, et voit que son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu te met-il en lui? Alors que entre nous là, on doit sentir l'amour, l'amour fraternel là, on doit sentir ça, et on doit sentir ça. On agit. On agit, mais sans attendre un retour. Alléluia. Aimer sans intérêt. C'est ça le modèle en amour. Mais aujourd'hui, je lui fais ça. Parce que j'attends qu'il me fasse ça aussi. Non, tu n'as jamais aimé. Tu vises tes propres intérêts. Alléluia. Alors que nous devons être modèles.
Dans l'église, tu vas avoir l'amour. Tu vas avoir l'amour. L'amour. Sans distinction. Alléluia. J'aime tel frère. J'aime telle soeur. C'est fini. Non. J'aime tout le monde. De la même manière. Ce que je fais pour Is. Ce que je fais pour le frère Obed. Je peux le faire pour la sœur Sarah là-bas. C'est ça l'amour. Mon père. Dans l'église. Si pas ton manque d'amour. Un frère sort. Tu es en danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Modèle en amour. Tu dois être un modèle. C'est manifester l'amour tout le temps. Tout faire avec amour. Parler avec amour. Même quand tu marches, marche avec amour. Hein? Quand tu veux le saluer, salue-le avec amour. Alléluia. Amen. Tu fais tout avec amour. Tu te sanctifies avec amour. Tu crées avec amour. Tu obéis avec amour. C'est ça être un modèle. Ah, et que l'autre frère va voir. L'autre frère qui est dans tout à goût. Ici là, c'est bon. Regarde comment il m'accueille. Ah, c'est bon. C'est pourquoi quand le culte finit et que tu commences à tout en bas là, tu n'aimes pas. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un là. Et ouais, donc maman est venue aujourd'hui. Alléluia. Amen. Maman est venue aujourd'hui. Maman va te bé. Bon, si tu finis le culte, tu vas partir. Viens, faut aussi t'aider. Et maman aussi va partir. Maman aussi va toi. Nous devons monter l'amour. Nous devons envoyer ici à maman. Et maman soit que là où elle est venue là. Maman a fait des miroirs. Ah non, il y a l'amour. Et voyez, tu te fais mon bâton. Et l'amour va gagner maman. Voyez, elle a du bon bâton. Évangélisez, reportez-vous, reportez-vous. Mais aime. Tu appelles la personne. La personne vient. Et tu ne l'aimes pas. Il va partir. Parmi le fruit de l'esprit. Si c'est. Si tu enlèves l'amour pour le restant. Alléluia. Amen. Je considère que c'est un fruit. Moi c'est Talia aussi c'est à mon père Joie bénédit tout cela c'est de goût. C'est le goût du fruit. Autant si c'est toi. Les divers goûts du fruit. Autant si c'est toi. Si tu enlèves le goût qu'on appelle amour. Il y a des autant sont aussi c'est à tout le fruit ça devient amer. Et si à qui c'est là et en fait. Tu n'as pas l'amour là. Tu ne peux pas être en joie. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas être en paix. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être fidèle. D'abord, il faut aimer Jésus avant d'être fidèle. Il dit, comment peux-tu dire que tu m'aimes? Moi que tu ne vois pas. Alors que ton frère qui est à côté de toi là, tu ne l'aimes même pas. Alléluia. Amen. N'aimons pas seulement mais en parole, mais en acte. C'est pas forcément agent. Hein. Ah mon frère, je vois que le ciel te porte. Je partage ta situation. Je partage. Je partage. On a toujours l'habitude. Dans ton esprit. Quand quelqu'un perd un parent, mais tu dis tu n'es pas allé me voir, j'ai rien. Il ne veut pas ton quelque chose. Il veut le soutien moral. L'amour se manifeste aussi dans le soutien moral. Alléluia. Amen. Premier le Seigneur. Aimer être un modèle en amour, c'est aimer pour le Seigneur. Aimer pour le Seigneur et non pour les hommes. Tu ne manifestes pas ton amour à cause de l'homme. Mais tu manifestes l'amour à cause. Parce que Christ a aimé pour l'homme. Alléluia. Amen. Et puisque Christ a aimé, Christ a aimé, ça devient une nécessité pour toi. Dans l'église. Dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez-nous aussi Hébreux 3, verset 16. Attends, après ton
Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Gloire à Jésus. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 16. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Non, le coin il a de la côte et il est toi le diable. Car c'est à ce genre de sacrifice que nous à mon côté d'ailleurs que Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais on a ton coup, un petit cap. Pour un état. Modèle en foi. À Padre ton lycée. Selon 1 Timothée 4, verset 12. Oui, Titan Timothée ton terre. Qu'est-ce que tu es né? À foi ton yaouton. Dans l'église. À Goumen. Je vais dire. Que cette responsabilité. Revient plus aux anciens. Et non. La responsabilité d'être un modèle en foi, ça revient aux anciens. Alléluia. Amen. Quand je parle d'anciens, je parle des premiers qui ont cru le Seigneur et qui se sont rassemblés dans la vérité. C'est d'où je parle d'abord. Alléluia. Amen. Quand je parle d'ancien, je bannis l'âge d'abord. Alléluia. Amen. Je bannis l'âge. Cette responsabilité d'être modèle dans la foi, ça revient à toi ancien. Je suppose que tu as pris au moins diapa le baptême. Et bon, on peut te considérer comme un ancien. Mais c'est quand même tu as dit considéré. Mais c'est quand comme un ancien. Et tu as appelé à montrer le modèle. En foi. En foi. Alléluia. Amen. Bien dans le Seigneur. Mais j'ai dit tout à l'heure que je bannis l'âge quand je parle de l'ancien. Job 32 verset 9. Oui, Job peut-être. Oui. Job 32, verset 9. Parce que la foi ne dépend pas de l'âge. La sagesse de la foi ne dépend pas de l'âge. Un ancien, c'est un ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui t'a dévancé. Et dans la foi, dans la connaissance du Seigneur. Ça peut être ton petit frère. Ça peut être ton enfant. Il est ancien. Ah oui, lisons. Job 32, verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Et ce n'est pas la vieillesse qui permet de juger. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire attention à ceux qui méprisent les jeunes. En griffe, en âge. Que le Seigneur a mis devant pour nous donner le modèle de la foi. Alléluia. Amen. En termes de foi, ce n'est pas une affaire d'âge. Mais si tu méprises les jeunes qui sont parmi toi, parmi vous, et quand tu ne les regardes pas, quand ils te donnent des instructions, je te le dis vite. C'est un danger. Parce que nous sommes tous à l'école de la Sainte Doctrine. Et tu as toujours quelque chose à apprendre. Si tu étais bien aguerri, là où tu as quitté dans la voilage, tu ne serais pas venu ici. Si là où tu étais, il y avait la vérité, tu ne serais pas venu ici. Si là où tu étais, les vieux. Les âgés qui étaient là-bas n'ont pas su te montrer le modèle de la foi. Quand tu viens ici, soumets-toi un peu l'Italie au modèle que le Seigneur met devant. Alléluia. Amen. Prenez dans le Seigneur. Mais on a
être ancien, cela ne veut pas dire j'ai fait 20 ans dans l'église. C'est pas dit j'ai fait 22 ans dans l'église. Ça ne veut pas dire j'ai fait 10 ans dans l'église. Si ta foi n'est pas modèle, tu n'es pas un ancien. Alléluia. C'est pourquoi dans le choix des anciens, l'apôtre Paul va dire à Timothée, quoi ce soit un modèle, ce soit un modèle. Timothée était considéré comme ancien. Timothée était dali, mais roto à vous même. Il est berger. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui donnait cette instruction. Soit un modèle. Alléluia. Amen. Quelqu'un dont l'on rend un bon témoignage dans la foi. Quelqu'un qui demeure fidèle dans la foi. C'est ça un modèle de la foi. Et c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle à être. Dans la foi. Bien-aimé, dans le Seigneur, la foi, que nous voyons souvent comme. Selon la Bible, une femme assurant des choses que l'on voit. Nous représentants de celle que nous ne voyons pas. Nous devons transmettre la foi. Alléluia. Oh, c'est pourquoi j'aime une maman dans la Bible qui a communiqué la foi à tous ses enfants. Elle s'appelle Loïs. Nous allons voir ça dans Timothée 1. De Timothée 1. Verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton naïf, Aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alléluia. Amen. Timothée, son aïeul lui a communiqué la foi. Et si vous cherchez la définition de Loïs, c'est une femme qui amène tous ses enfants, toute sa famille à Christ. C'est-à-dire qui communique la foi en Jésus à toute sa famille. Je prie que tu sois un Loïs. Une Loïs pour ta famille. Pour les ramener tous à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais voilà. Paul aussi, en tout cas, il a été un modèle de la foi. Et il a lui, c'est maintenant Timothée. C'est ce qu'il va lui dire dans 2 Timothée 3, 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes solutions, mes résolutions, ma foi. Ma douceur, ma charité et ma constance. Timothée, tu as vu comment j'ai marché dans la foi. Tu as été là. Tu m'as suivi dans la marche de la foi. Tu as vu tout ce que j'ai fait. Sois comme moi. Imite ma foi. Il a pas déjà essayé de son. Tu dois être un modèle pour ton frère qui est à côté. Alors il a pas déjà. Non, nous sommes nous tous les apôtres. Plus dans le Seigneur. Cela va se démontrer donc. Comment tu manifestes ta foi dans le moment des épreuves? Quand les épreuves viennent, tu veux participer dans le moment à gloire. Quand les épreuves viennent, quand les tentations viennent, quand les tribulations viennent, est-ce que c'est ta foi qui balance? Est-ce que c'est ta foi qui balance? Quand un vent souffle dans l'église, est-ce que c'est ta foi qui balance? Quand un scandale se produit, est-ce que c'est ta foi qui balance? Sois un modèle. Modèle dans la foi. Ah non, je tiens ferme. Quoi qu'il arrive. Hein? Quoi qu'il arrive. Je ne laisse jamais la foi. Un modèle. Dans la fidélité. Dans l'obéissance. Dans l'intégrité. C'est ça le modèle de la foi. Et c'est ça on va copier. C'est ça le frère qui a coûté de toi pour copier. Pour que sa foi grandisse. Pour que sa foi grandisse. Alors toi fais attention. Sois un modèle. Bon, tu sais le danger. Tu ne sais pas qui te suit.
Tu ne sais pas quel frère te prend comme modèle. Donc quand tu vas mal faire, tu ne sauras pas qui est-ce que tu as mal fait. Non, parce que tu vas te dire, quand il est là, je vais bien agir. Mais quand il ne sera pas là, je vais faire comme je veux. Non, tu ne sauras pas. Tout ça qui te suit. Mais tu ne peux pas me faire. Bien dans le Seigneur. Dans Hébreux 11. Le modèle de la foi des anciens. La foi de Abel. La foi d'Abraham. La foi de Moïse. La foi de Sarah. La foi de Anne. La foi de Et nous devons suivre le modèle. La foi des apôtres. Suivre le modèle. Pourquoi nous aussi nous sommes des modèles? Nous aussi nous sommes des modèles. Écoute, tu ne peux pas être un modèle. Nous sommes des modèles. Tu ne peux pas être un modèle. Nous sommes des modèles. Si ta génération passe, qui va rester? Mais non, non. Si les apôtres ne sont pas laissés le modèle. Après, c'est la maturité à Fadjel. Toi et moi, on est perdu pour toujours. Tu peux encore le faire, on est pour toi. Alors tu dois montrer mon modèle. Alors toi, à Fadjel, il y a. Dans la foi, tu es une foi radicale. Une foi ferme. Nous pouvons une foi inébranlable. Il fait mon une foi. Il fait. Hein? Qui le bouscule n'aime pas. Même à Dominique. Tu as comme ça de la foi. A tout le temps, il fait bien. Alléluia. Amen. Là, tu seras un modèle pour l'autre. Un modèle pour ton frère. Un modèle pour ta soeur. Pour le soutenir. 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 Pour que sa foi qui est faible. Pour grandir. Pourquoi apporte pas ma direction? Pour qui est faible. Dans Romain. Pour qui est fort. Pour connaître ceux qui sont faibles. Dans la foi. Quand le chute dans la foi, oui, quel conseil tu lui donnes? Le conseil traduit ton modèle. Quand une situation arrive dans l'église, est-ce que tu lui dis de l'église? Bon, d'ailleurs, c'est comme ça, ils sont. On a laissé, puis on va partir. C'est ça? Quand l'autre est dans le moment de persécution, qu'est-ce que tu lui dis? Ou bien tu te mets à dire comme je l'avais dit. Quand même, là, il n'y a pas. La foi, là, c'est comme ça. Il était un peu moins. On est comme ça, déjà. Il y a beaucoup de difficultés. Dans la route, il y a ça. Non, c'est trop. Sois moins. J'abandonne. Là, je tu as abandonné la foi. Adieu, c'est beau. C'est dangereux. Et je l'attends. Tiens. Mais tiens. Quel que soit le scandale. La Bible dit. Le scandale ne peut pas manquer. Le scandale là, dans l'église, ça doit arriver. Mais ça arrive, c'est pour tamiser. Ça va tamiser. Tamiser encore. Mais si tu n'es pas modèle, tu vas tomber. Ouais, quand tu as mis maïs, tous les maïs qui tombent à terre sont des maïs. C'est pas seulement les maïs périmés qui tombent. Parce que quand tu tamis, un pour maïs saute. Donc quand le tamis vient, pour construire, il est ferme, faut bien garder le pied de Jésus. Faut bien rester au milieu du tamis. Pour ne pas tomber. Pour que l'autre aussi ne tombe pas. Quand quelqu'un tombe dans la foi, imaginez-vous combien tombe. Quand une seule personne tombe, imaginez combien tombe. Veille non, sur ta foi. Veille sur ta foi. Persévérance dans la foi. C'est toi qui les autres le fait. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Notre papa, il est fidèle. Même quand nous sommes fidèles, il est fidèle. C'est bon. C'est un temps. Ça va passer. Fortifie-toi.
Donc, regarde ce que la Bible dit. Oh, no. Oh, il dit, alors, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et s'il a fait la promesse, il n'a pas donné sa promesse. C'est ça. Ouais. Le modèle. À Padre. N'ajoute rien à ta foi. Hein. Garde les deux pieds de Jésus. Jésus est Jésus seul. Jésus, okay. Ne regarde plus en arrière. Ne sors pas de la bergerie. Ne sors pas. Écoute seulement la voix du berger. La voix du berger. Attention. Regarde comment l'autre a marché. Vous aussi la traversé telle situation. Pour clair. Regarde, c'est ce qu'on bien que ça a tardé. Le Seigneur reproduit. C'est ça le modèle. Oui, padre. Être modèle de la foi, c'est que quelqu'un d'autre serait capable de prendre ton exemple pour exhorter aux bouches. Alléluia. Amen. Je prends le modèle du prophète Amos. Pour exemple, par exemple, le fait Timothée. C'est qu'il a un modèle de la foi. Et c'est ça le rôle des témoignages. Je vais te dire maintenant le témoin de ma foi avec lui. Il est arrivé au moment où les choses s'est passées. Regarde, c'est comme ça nous sommes sortis. Nous avons fait si. Alors fais comme nous. Et tu vois, quand ça arrive, on s'assied, on s'entend. Faites comme nous. Si notre modèle, si le Seigneur a corrigé à notre niveau, il va. Alléluia. Amen. Est-ce que tu seras un modèle de la foi? Mais alléluia, tu es là. À ton frère, il te suit, hein? C'est lui, c'est toi, il regarde, hein? Il va être occupé. Alors sois un modèle. Sois un modèle. Modèle aussi dans l'obéissance. La manière dont tu obéis. Alors parce que dans la foi, il y a l'obéissance. Si toi, tu n'obéis pas, quel modèle tu vas me donner? Obéis. Obéis. Gloire à Jésus. Alléluia. Cinq. Un modèle en pureté. Et en sainteté. Ici encore, je vais le répéter. Que cette responsabilité revient aux anciens qui doivent montrer l'exemple. Depuis que toi tu es venu ici, est-ce que c'est toujours à toi qu'on va réclamer habillement décemment? Comment est-ce que tu es un modèle et un habillement? C'est toujours toi. Quand tu viens, on met fou là dans ton cou. Ma soeur, tu sais que tu n'as pas encore beaucoup. Et le Seigneur va pouvoir. Pour que désormais ça ne soit plus comme ça. Il faut travailler pour ton modèle. Et il dit irréprochable. Tu es avec nous depuis le début. Et on ne va pas faire ce reproche. Coupe-toi. Sous les bêtes. Ta poitrine. Sous la compte. Nous devons grandir. Mais voilà, ouais. Parce que. Quand tu évangélises et que les gens viennent et qu'ils voient que toi-même, c'est pas bon, c'est dangereux. Si tu fais ça, tout sera scandale pour l'autre frère. Alors nous allons relire 1 Pierre 1:15. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Alléluia. Saint. Mais il dit soit un modèle en pureté. Ni un modèle en sainteté. Et ce que tu vas mener vie de sainteté là. Et je. Il faut que je sois moi comme lui d'abord. Hein? Ah, c'est cela. Tu vois comment il s'habille. Je veux m'habiller aussi. Elle attache bien son poids. Il faut que je commence par bien attacher. Alléluia. Amen.
Tu dois être modèle. Alors il y a pas de pousse dans l'église. Toi à Goumé. Dans l'église. Toi à Goumé. Ta vie de cet été là. Présente où est ton. Chaque jour ça doit aller. Et présente dans ta caille. Chaque jour ça doit aller en haut. Et présente dans ta caille. Au même moment où toi tout. Toi alors à dit. Imite ceux qui sont devant. Yes, toi à toi. Mais ton collègue est au dos. Ceux qui sont derrière toi timides. Mais ton collègue est au dos. Donc vous salez. Mettez-y. Vous tous imitez Christ. Mais mes potos, j'ai passé Christ au photo. C'est pourquoi il m'a dit quoi, je te ta vie de sanctification. Non, exemple, il est irréprochable. Et oui, maintenant mon nom de vous. Irréprochable. Tu es ancien. Animeho, tu es ancien. Animeho. Ah, on va pas répéter la même chose. Sois un modèle. Ni à pas de. Mais tu es ancien, ancien. Aïe, mero. Et c'est toi qui t'occupes. C'est pas bon. Emmanuel. Les autres aussi vont dormir. Mais les autres dans mon gars. Parce qu'ils vont faire comme toi. Je vais. Normalement, dans l'église, nous quand dit toi, Goumen. Les secteurs ne doivent pas beaucoup parler. Mais c'est tellement grand de vos support. Normalement, nous quand dit. Mais on parle beaucoup ici. Mais quand on leur support, Philippe. On parle beaucoup, non? Mais on leur support. Parce que toi, tu n'es pas modèle. De la manière à partir. Et les mêmes choses qu'on t'a répétées. Les mêmes choses qu'on t'a dit. On dit ça à l'autre. Si l'autre vient, on répète. Et ouais, encore. Si 100 personnes viennent, on répète aux 100 personnes. Et encore pour nous, mais quand il faut prendre le relais. Il faut exhorter la sœur. Quand ils n'ont pas dit modèle en calomnie. Demande à partir de toi, mais tiens comment. Donc si tu veux l'exhorter là, si tu veux l'exhorter et que ça entre dans autre chose, c'est pas bon. Sois un modèle. Sois un modèle. Mais s'il y a des gens qui suivent ton habillement et constatent qu'en bas de ton habillement, pas l'intérêt là-bas, c'est le contraire. Là tu as encore fait pire. Tu veux être modèle en sainteté. Non seulement en habillement, mais aussi dans le cœur. Parce que si l'autre veut te ressembler, et qu'il constate que dans ton habillement, ce n'est pas ça. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas rendre témoin de toi ailleurs. Il ne peut pas rendre témoin de toi. Chacun de nous ici doit avoir un modèle. Et doit être un modèle. Gloire à Jésus. Alléluia. Priez le Seigneur. Même en tant que mais. Tu dois être vraiment un modèle en sainteté. Dans la puteur. Et je l'ai dit, c'est non seulement extérieur, mais aussi intérieur. Alléluia. Là, on lit Tite 2. Maintenant, il y a un petit auteur. Verset 2 à 5. Après, ton auteur dit à ton. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi. Voilà. Les vieillards. C'est pas seulement les bas blancs. Voilà. Il dit, ils doivent être sobre, honnête, et on doit te connaître comme une soeur, un frère honnête, modéré, c'est dans la foi, dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, dans la patience. Oui, tu dois être modèle. Il dit, oui, la suite. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Amen. Amen. Oui, le cercle. À être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alléluia. Amen.
Tu es femme mariée. Et tu ne montres pas le modèle de comment il faut prendre soin de son mari. Hein, à ceux, aux nouvelles sœurs qui se marient. En ça aussi, tu dois être modèle de l'église. Et on doit être capable de venir vers toi pour recevoir l'instruction. Mais si tu es donc, tu donnes une instruction. Tu es la soeur, a fait ci, a fait ça avec son mari. Mais que toi aussi à la maison, quand ton mari parle, tu le regardes avec ces yeux-là. Qui ceux-là? Qui parle? C'est un mauvais modèle. Garde-toi si tu es hypocrite. Garde à toi. Si tu donnes un modèle hypocrite, parce que ton ta, ce que tu caches là, la soeur que tu es, elle va voir ça. Elle va connaître ça. Toi qui dis, sois si avec ton mari. Sois-t-elle avec ton mari. Mais à la maison, quand ton mari parle. Tu agis tout comme si qui parle. C'est un mauvais modèle. Tu dois être un bon modèle. Pour que les jeunes apprennent à aimer leur mari. Mes enfants. Elles ne doivent être ni médisantes. Elles doivent donner de bonnes instructions. Toi, maman, dans la foi. Quelle instruction tu donnes à tes filles? Quels sont les conseils que tu donnes à tes filles? Regarde, la parole de Dieu, tu donnes de bonnes instructions. Quand vous êtes un soeur, quelle instruction vous donnez? Soyez tes modèles. L'église. Il dit, alors, elle doit être retenue. Et chaste. Mais non, occupée aux soins domestiques. Bonne. Soumise à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Si tu fais le contraire de ce que tu dis, la parole de Dieu sera blasphème. Et le Seigneur t'interpelle pour que vraiment tu puisses devenir un modèle. Est-ce que tu es vraiment un modèle? Pose-toi la question. Suis-je vraiment un modèle dans l'église? Dans 1 Thessaloniciens 1:6-7, il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Avec joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants. Dans la Macédoine et dans la Caïe. Devenu un modèle. Parce que tu as reçu de l'argent. Pour les croyants. C'est nécessaire. Gloire à Jésus. Alléluia. En 6, l'on voit un modèle en humilité. Mais on n'a pas un modèle en humilité. Puisque nous sommes appelés à ressembler à Christ. Et que Christ est homme là. Vous devez être modèle d'humilité. Dans l'église, ton humilité doit être remarquable. Puisque Christ n'a pas caché son humilité. Être un modèle en humilité, cela bannira le moi qui est en toi. Moi. Quand tu seras un modèle en humilité, cela te fera passer les intérêts des autres avant les tiens. Quand tu es un modèle en humilité, tu seras prompt à écouter qu'à parler. Quand tu es un modèle en humilité, cela t'efface, tu auras l'aptitude à t'effacer.
Quel que soit ce que le Seigneur fera au travers de toi, tout sera effacé. Quel que soit ce que tu as, et quel que soit ce que tu es, quand tu seras monté en humilité, le moi disparaîtra. Moi, et quand tu parles, c'est moi. C'est pas bon. Emmanuel, l'humilité. Et l'humilité. C'est toi tu bats bon, là, et on te parle de l'église. Bon, là, a dit, moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Bon, alors, non, les autres sont comme ça. Mais là, tout bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur même nous a montré le modèle. Dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Nous devons être heureux comme il a été heureux. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ a dit aux disciples, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qui sert les autres, ni c'est meilleur pour les. Sois humble. Ni mêlez autant. Qu'on imite ton humilité. Mais ni. Alléluia. Amen. Tu es appelé aussi à un modèle en obéissance. Un modèle en obéissance. Alléluia. Amen. Dans l'église, la crainte de Dieu doit passer avant le respect aux hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. On doit craindre Dieu, mais respecter les hommes. Crains Dieu, mais respecte les hommes. C'est-à-dire qu'aucun homme ne doit t'amener à désobéir. Qui qu'il soit, parents, frères, qui qu'il soit, tu ne dois pas permettre qu'un homme t'amène à désobéir. En cela, tu seras un modèle en obéissance. Dans l'église aussi. On va imiter ton obéissance. On va que quel que soit ce que l'obéissance est chez toi, c'est ton obéissant. Là, on va t'imiter. Bien dans le Seigneur, il y a plusieurs choses dans lesquelles nous devons être modèle dans l'église. Un modèle dans le ciel. Le ciel pur. Pas le ciel amer. Modèle dans l'attachement au Seigneur. Modèle dans le service. Quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, tu le fais pour montrer le bon modèle. Prie dans le Seigneur. Au début, j'ai dit que le modèle doit être l'église et hors de l'église. Pour que nous ne paraissons pas comme des hypocrites. Dans 1 Corinthiens 10, il a dit ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni aux Grecs. Nous avons appris à ne pas être en scandale aux Juifs. Mais quand tu traverses le seuil, ton. Et que tu vas dans le monde, dans ta famille, dans ton école, au marché, dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, quel est le modèle que tu montres? Ça aussi, ça compte. Un modèle parfait, c'est quelqu'un qui est un modèle non seulement dans l'église, mais aussi hors de l'église. C'est pour te dire que le témoignage que le roi te prend à l'église doit être le même témoignage. Le témoignage que l'on rend toi à l'église, même si le monde le rend mal, ça doit être le même. On sait que le fait. Dans l'église, il ne manifeste pas la fraude. Et tu vas quelque part.
Bon, c'était que un autre frère. Nous sommes nouveaux. Va quelque part. Ouais, il file. Et quelqu'un dans le monde. Formez toi, un homme. Parle du premier frère. Donc, nous sommes dit alors. Et tu vois lui là. Amour. On lui a donné des occasions. Il n'est pas de l'air. De profiter. Il refuse. C'est qu'à son dit Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, on dit change ça. Il dit non. Il dit non. Et qu'à vous Il est bête. Au lieu de profiter. Dès là, photo de Dieu, mon patron. Alléluia. Amen. Ça, c'est un bon témoin que le monde a. Et le monde a dit, il n'y a pas. Ah, tu savais pas. Le monde rend un bon témoignage. Et il rend mal le témoignage. C'est pourquoi je disais tantôt, le témoignage que l'on rend dans l'église de toi doit être le même dans le monde. Quand bien même le monde le rendra mal. Alléluia. Amen. Tout cela pour que le nom de Christ ne soit pas blasphémé. Matthieu 5, verset 14 à 16. Matthieu, de t'être en temps, après ton bien et à 16. Matthieu, chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Mais nous vivons à un moment. Christ est lumière. Christ est vivant. Il est le modèle. Il nous a transmis le modèle. En faisant de nous lumière du monde. Pour que nous puissions transmettre le modèle. En éclairant ceux qui sont dans la ténèbre. Ta lumière, c'est le modèle que tu es. La lumière, c'est les comportements que tu mènes. Mais si dans le monde, ta lumière n'éclaire pas. Quelle est cette lumière qui n'éclaire pas? On va vraiment appeler sa lumière. La lumière, c'est pour éclairer. Il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau. Mais on le met sur le chandelier. Quand tu es dans le monde, dans ta famille, tu ne veux pas montrer que tu es chrétien. Tu veux cacher. Supposons même que ton village est à 1000 km ici. Dans ton village, il n'y a même pas de chrétien. To, créto, to, isa, de ma et que tu y en ville ici, tu es chrétien. Bah, to, cré, to, quand tu iras au village, comment tu vas agir? Bon, comme il n'y a pas de chrétien là. Isa, de ma bon, on dit souvent, you know, quand tu arrives quelque part, ni, filé, et on marche pas avec la tête. Bah, to, so, marche avec la tête. Yes, na, si tu fais ça, tu vas tomber. Ah, ouais, quand c'est le mauvais comportement, tu vas tomber. Quand tu viens dans la foi, quand on marche avec la tête, tu peux marcher avec la tête. Mais rassure-toi que c'est la bonne voie. Il dit, alors, on le met sous le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière que tu es, c'est pour éclairer ton entreprise, pour éclairer ton marché, pour éclairer ton école, pour éclairer ton quartier. Que fait ta lumière? Elle éclaire ou bien les ténèbres éclairent ta lumière. Si vous voulez être au nom de si ou bien les ténèbres étouffent ta lumière. Camille, si vous voulez que tu montes. Alléluia. Amen. Le monde meurt. Le monde périt. Le monde est dans les ténèbres. Et nous avons ce qu'il faut. Nous sommes appelés à tourner au monde. Oui, ce que tu as trouvé en Jésus, il faut tourner ça au monde. Le monde a besoin de ça. Dans ta famille. Ils en ont besoin. C'est pourquoi je dis, tu n'es
même pas n'est pas hasard dans une ta famille. Même si dans ta famille, c'est pour tout vrai frère. Hein? Et que c'est de là que tu es sorti. C'est pas du hasard. Ta lumière doit luire. Il dit pour que. Il voit vos bonnes œuvres. Il voit ta bonne conduite. Il voit ta bonne foi. Ta bonne vie de pureté. Et qu'il glorifie le Seigneur. Alléluia. Amen. Partout dans le monde, le nom de Jésus doit être glorifié. Galates 6, verset 17 dit que personne ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Christ. Cette marque de Christ que tu portes en toi. C'est le modèle que tu vas montrer. Ce sont les comportements que tu. Les œuvres que tu accomplis. Ces marques qui sont révélées par nous. Pour que le nom de Christ soit glorifié. Dans le monde, les paroles. C'est vrai. C'est la parole. Mais les actes sont très très importants. Très important. C'est pour ça que tu dois veiller sur ta conduite. Ta conduite hors de l'église. Quand quelqu'un conduit à côté de toi, sur la route, et il passe dans l'eau, et ça te tâche. Quel nom? Si tu agis comme ça, comment il va venir à Christ? Non, il va à Christ. Est-ce que tu es un modèle? Mais à dans ton quartier. Pour écoute, si on veut savoir si tu es un modèle, on ira voir quelqu'un seulement dans ton quartier. Vous connaissez le modèle. Parlez-nous un peu de lui. Pour savoir si tu es vraiment chrétien. C'est auprès de ceux qui sont autour de toi aujourd'hui. Pas seulement dans l'église, hein, mais dans le monde, dans ta famille. Et ils peuvent te rejeter n'importe comment. Il y a un témoignage qui vous donne. Qui sera un bon témoignage. Romains 2, 17 à 24. Romains chapitre 2, verset 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te frappes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une croix de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Comment cela est écrit? Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Pourquoi? Parce que toi qui te dis chrétien, quand tu sors de l'église, tu changes le manteau. Alléluia. Amen. Quand tu quittes l'église, tu changes le manteau. Et on te méconnaît même. Je ne vais pas beaucoup parler de l'habillement. Si tu es habillé décemment ici, et que là-bas tu n'es pas décent, on ne va plus répéter ça. Mais dans ta conduite, ta manière d'agir, quand une situation arrive dans l'entreprise, oui, le monde a un comportement.
Oh, I wonder what il te rejette. Il te relie. Il a peur. Oh, il ne prend pas garde à toi. Mais c'est des situations. Ni la toi qui veux écouter. C'est toi qui veux l'entendre. Il veut lui qui nous dit s'il est chrétien. Eh, ouais, mais non, il on va voir comment il va réagir. Il a encore les bon. Vous voyez, mais bon. De la même manière que Satan route. Alors par rapport à Obito, il route. Cherchant une faille en nous. Boto, didi, pour nous dévorer. Boto, c'est de cette même manière que le monde te quitte. Hein? Le monde te regarde. Nous sommes ici. Il est chrétien. Nous sommes ici. Il y a un profil en photo. On va voir là où il va finir. Ils sont là. Bon, sur des situations. Tout ce que les autres ne les intéressent pas. Mais c'est toi qui Dieu veut l'entendre. Je vais dire comment tu vas réagir là? Non, 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 bon. Si tu réagis mal, voilà. Alors, il ne faut pas dire que les autres réagissent mal. Mais toi, le chrétien, voilà. Ils se disent chrétiens. C'est eux, ils s'habillent pour nous. Mais voilà ce qu'ils font. Je te dis, de la même manière, Satan te guette. C'est comme ça le monde te guette. Quand tu passes quelque part, le monde ne te tait pas. Il ne compte tes pas. Il compte tes pas. Et le monde est très très attentif sur toi. Alléluia. Amen. Le monde. Alors, il te regarde. Il cherche une faille. Il va même te mettre dans des situations. Des situations impeccables. Pour que tu tombes. Pour que tu ne montes pas un bon modèle. Ne t'inquiète pas. Il y a des gens de ton entourage. Dans ton quartier. Il faut venir à Christ. Christ pas très complètement. Ils sont déjà écoutés, tu as parlé. Mais ils sont là. Ils vont voir. On va le suivre un peu de temps. Mais là, il a ton mari aussi parlait là. Il a compris la parole. Il est là. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, oui. Toi qui parles. Mais comment tu agis? Je vous le dis, je vous le dis. Les comportements parlent beaucoup. Tu ne connais même pas ceux qui t'entourent. Tu ne connais pas ceux qui t'entourent. Pourquoi aujourd'hui, dans le monde, un homme de Dieu, un chrétien, fait quelque chose de mal. Rapidement, l'information est relayée. Mais les parents font du mal. Mais ces informations ne sont pas vitrées. Parce que tu es lumière. Et tout le monde suit la lumière. Tout le monde regarde la lumière. Tes frères, tes soeurs, ils te regardent. C'est pourquoi quand tu parles en famille, devant les situations, nous qu'ils parlent. À qui on fait pas ça ici? Même nous, on quand tu parles en famille, devant les situations, nous ah, que le pasteur parle. Alors, le pasteur parle. Que le pasteur parle. Que la fille de cet été parle. À l'école, mais l'autre appelle comment? Pour même le moment, mais je te dis, quel même camarade qui t'appelle chrétien à l'école, le jour où tu vas faire erreur, c'est là que tu seras qui te connaissent. Alléluia. Amen. La dernière fois, deux serviteurs voulaient aller acheter quelque part. Mais c'est pas arrivé à l'endroit, les enfants de la dame qui vendent disent, on les voit la télé. Il est venu nous montrer le nom. C'est pas ce que nous voyons à la télé, ça. Il est venu. Il est venu ça. Imagine. Il y a sur les ponts qui chantent ici. C'est tu passes par la télé. Et on te voit. Et que là-bas. Dis-moi, ton ami, tu te plains. Alors, mes parents,
Ah, ok. Mon mari, dis pas qu'elle est un mes amis, ils ne viennent pas à Jésus. Comment tu agis? Comment tu te comportes? Hein? Quel est le modèle que tu montres? Le monde là, il veille sur chacun de tes comportements. Il veille sur chacun de tes comportements. Comme Satan veille. Lui, il ne s'intéresse pas trop aux pécheurs. Mais c'est au chrétien qui s'intéresse. Pourquoi? C'est pourquoi Paul a dit, oh, juif. Toi qui te dis juif. Comment est-ce que tu agis? Comment est-ce que tu agis? Hein? Dans ton école, dans ton marché, quand un client vient, comment tu réagis? Est-ce que tu accueilles les clients? Comment tu accueilles tes frères ici? Comment tu accueilles? Est-ce que tu accueilles tes clients? Comment tu accueilles tes frères ici? Ou bien parce que tu as quitté le monde. Ça vient à un temps à un. Tes parents t'appellent. Mais dis pas te lève. Viens faire quelque chose. Oh, allez, allez. Non. Eh, oh. C'est notre truc. C'est notre truc. C'est notre truc. Sagesse. Oui, oui. Sagesse. Oui, oui. Tout ce que tu ne dois pas faire, oui, c'est ce qui n'est pas conforme. Oui, ma sauvée. À la parole. Non, au fond, ma auto. Sagesse. Oui, oui. Le Seigneur. Oh oui, si tu évangélises. Chaque jour tu sors pour aller évangéliser. Tu parles. Oh, maintenant dans votre vie. Répondez-vous. Jésus revient. Répouillez-vous. Faites ci. Faites ça. Jésus revient. Le monde dit d'accord. On a pris bonne note. On va voir un peu. Si toi-même, ta vie est conforme à ce que tu as fait. Aimez-vous les uns les autres. Non, mais parce que lui, il a voir. Il est vaudou. Et comment est-ce que tu refuses? Parce qu'il est musulman. Et comment tu refuses? C'est amour à ça. Le monde a plus les yeux sur toi que nous. Nous n'avons pas beaucoup les yeux sur toi. Mais le monde, il a plus les yeux sur toi. Le monde note chacune de tes paroles. Et quand tu reflètes exactement la parole, cela va pousser le monde à venir. Dans ton entreprise, dans ton lieu de travail, veille sur ta conduite, agis avec amour, n'abandonne pas ta foi à l'école. Si tu triches, c'est le monde qui va crier. C'est eux-mêmes qui vont te demander. Dis-moi non. Mais tu es chrétien. Dis-moi non. Dis-moi. Dis-moi. Tu vas dire. Demain. Tu vas dire, je suis chrétien. Quoi? C'est pas toi qui m'as dit ça. C'est pas toi. Mais il y a un de l'ami. Quelle bouche on va vous parler? On vous dit un peu là-haut. S'il faut même couper ton visage pour entrer en salle, tu vas couper. S'il faut couper ton visage. Pour que tu entres ça, tu vas faire ça. Parce que c'est la route. Même quand tu penses que personne ne te voit, le monde te voit. C'est pourquoi la conduite doit être constante. Oui, oui, tant dans l'église que dans le monde. C'est très très important.
Mais quand on parle de tentation, nous sommes tentés vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que la tentation nous vise à aller contre la parole. Cette même parole que nous prêchons et que nous annonçons, cette même parole que nous défendons, c'est pourquoi les amis de Daniel, la Bible dit, ils ont cherché à trouver des failles en lui dans la gestion des affaires du roi. Ils ont cherché une faille dans la gestion des affaires de roi. Et ils n'ont pas trouvé. Ils ont été obligés de demander au roi de diriger. Pardonnez que personne ne va prier un autre jour. Non, mais que maintenant, on est vraiment mal de vouloir. Mais il a tenu tel. Mais on a gagné tel but. Il a tenu tel. Et tel but, non. Tel. Tel but. Ta vie doit être partie du monde. Par exemple, dans le Zizimo, à un moment dit. Ta vie. Par exemple, toi impacter le monde. Mais quand tu es tenté, tu vas te répondre, que vas-tu faire? Tu vas fléchir genoux. Pour que le nom de Jésus soit blasphémé. C'est pourquoi on entend aujourd'hui. On entend. Ah. Hein? Tout le nom de Christ. Christ est tellement inconsidéré aujourd'hui. Et maintenant, qui a dit? Le nom de Christ est tellement négligé. Bien que c'est le nom le plus prononcé. Bien que c'est le nom le plus prononcé. Bien qu'on prononce plus le nom de Jésus, c'est le nom le plus négligé. Pourquoi? Parce que ceux qui sont des chrétiens n'ont pas glorifié ce nom de Dieu. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas glorifié le nom de Jésus. Étant dans le monde. Mais à travers leur comportement, à travers leur vie, le nom de Christ a été bafoué, blasphémé. Alléluia. Amen. Nous devons tout faire pour donner gloire au nom de Jésus. Nous devons tout faire pour donner gloire au nom de Jésus. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole. Oui. Mais la parole qui sort de toi, elle doit être certifiée. Certifiée. Par tes comportements. Comment tu parles dans le monde? Quand quelqu'un vient avec une situation de moquerie, non, mais on va faire des choses pour les pour t'associer à lui. Attends, attends, mais non. Ta sainteté, c'est seulement l'église. Ou bien l'église et le monde. Ami, à vous mettre dans un monde faux. La crainte que tu as pour Dieu, vous aussi, c'est seulement à l'église. À vous mettre là. Ou bien à l'église et dans le monde. Mais voilà, il n'est pas rare d'entendre aujourd'hui que les chrétiens ne craignent pas le Dieu qu'ils adorent. Mais je vous le tiens de les chrétiens de Jésus vont dire. Cette nouvelle génération de chrétiens que le Seigneur nous formait. Ils connaissent le Dieu qu'ils adorent. Ils savent le Dieu qu'ils adorent. Et il faut marquer la différence. Au nom de Jésus. Tu dois marquer la différence. Tu dois marquer la différence. Le monde ne va pas dire ça directement. Mais il saura lui-même que. Ah non, attention, celui-là. On ne s'approche pas de lui. Et il va le dire quand il va te tenter plusieurs fois déjà. Attention. Attention. Comment tu parles? Non, non, non. Fais beaucoup attention.
le modèle dans l'église que nous avons vu doit être aussi dans le monde. Et moi, toi, mon père. Il met dans le Seigneur. Mais voilà pour le pouvoir. Nous allons lire la prière de tous. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Un Pierre, chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est bon? Et non, le verset est clair. Il dit, ayez au milieu des païens. Femme, soyez de même soumise à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Cela ne s'adresse pas seulement aux femmes, mais aussi aux maris et aux enfants. Soyez soumis. C'est pas, j'ai été soumis. Mais ça a été trop. Non. Si tu veux le gagner, sois soumise. Ni me ne baisse jamais les bras. Parfois, attends, bon. 1 Pierre 3, 16. C'est un peu après ton photo, pour le photo. 1 Pierre chapitre 3, verset 16. Il y a pas de choses. 1 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. Oui. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Devant quiconque. Oui, oui. Continuez. 1 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. Oui. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Alléluia. C'est ça ce à quoi nous sommes appelés. Au milieu de païens. Est une bonne conduite. Au milieu de païens. Est une bonne conduite. Cet enseignement, le Seigneur veut te voir encore beaucoup plus dans ton rapport avec le monde. Tu peux nous montrer que c'est pour l'église. Mais dans le monde, qu'en est-il? Alléluia. Mais c'est pourquoi tu dois être un modèle pour ta génération. Tu dois être un modèle pour ta famille. Un modèle pour ta famille. Il y aura des situations ou des affaires entre eux, ils vont se dire ne l'appelez pas. Ne l'appelez même pas. Ne perdez même pas votre temps à l'interpeller. Alléluia. Plusieurs fois, on m'a dit ça. C'est pas la peine. Ça doit être ça. Ta bonne conduite doit se révéler. Et le monde va rendre témoignage du Dieu que tu adores. Tu vas agir. Et quelqu'un va dire, vraiment c'est toi. C'est toi qui as changé comme ça. C'est vraiment toi. Est-ce que ce changement-là a été fait? Il peut marquer que tu sois dans l'église. Il y a des types pour accumuler. Ça ne change pas. Pose-toi la question. Est-ce que ça change? Est-ce que tu es un bon modèle? Dans ta vie, dans ta foi, dans ton humilité, dans ton amour, dans l'œuvre que tu as accompli pour le Seigneur, tu
pourras être un modèle en créant une intimité avec le Seigneur. Quand bien les autres échouent, garde dans ton esprit, je ne dois pas souffrir. Je dois être un modèle. Et tu dois prier comme ça. Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, je veux être comme toi. Alléluia. Amen. Prenez pour finir. Je vais rappeler à quelqu'un que ton modèle, ce n'est pas dans le monde. Non, appadre te matin pour un homme. Je ne sais pas comment prendre. Ton modèle, ce n'est pas dans le monde. Ton modèle, ce n'est pas Nelson Mandela. Ton modèle, ce n'est pas un super-héros. Ton modèle, ce n'est pas un justicier. Quelqu'un qui fait quelque chose dans le monde, c'est dangereux. Les terrains ne sont pas modèles de la lumière. Les terrains tirent leur modèle de la lumière. Mais si toi, c'est du monde que tu dis ton modèle, c'est grave. Même si ce que le monde a fait est bon, ouvre ta Bible, tu vas voir ça dedans. C'est normalement toi qui dois montrer ça au monde. Ce serait aussi dangereux et honteux pour toi que le monde te ramène à la raison. Ce serait honteux pour toi que le Seigneur se sente obligé de te montrer le monde à travers le monde. Cela veut dire qu'il n'a pas pu te convaincre de la parole. Tu as été tellement dur vis-à-vis de la parole que un jour dans ton service, quelqu'un du monde te fait asseoir. Mais tu te dis chrétien. Mais tu ne peux pas agir comme ça. C'est une honte. Disons la vérité. C'est honteux. C'est pas honteux. Que c'est une prostituée un jour qui te voit. Qui te dit, mais moi. C'est dans le Christ. Appartient au Christ, mais. Et nous dans le monde. Comment il y a un homme? Ah non. Je suis telle chose. Ni n'est. Parce que ça m'instruit. Quelle instruction ça va te donner? Et c'est pas tes dents. Mais ma petite, vous voyez là mes filles. Disons-nous la vérité. Mais la voix de la mine. Les ténèbres ne peuvent pas conduire la lumière. Vraiment, c'est la lumière qui conduit les ténèbres. Pose-toi la question. Combien de personnes ont refusé de venir à Christ? Mais vous ne voyez si vous pouvez même la Christ payer tout. Ah, c'est. Regardez ces comportements. Bon, dès qu'on y va là. Même dans le monde, ces comportements ne sont pas remarquables. Aïe, on sous et voilà le matériel de ma déchauffée. Chrétien, attention. Regardez. Attention. Regardez. Le monde te regarde. Aïe, on s'occupe pas. Ceux qui sont autour de toi te regardent. Mais pas de et ils prennent notes. Ils prennent notes. Pose-toi la question. Est-ce que vraiment tu es un modèle? Bien que tu aies déjà venu ici. Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que d'abord tu suis le modèle qu'on te montre? Est-ce que tu es un modèle? Est-ce que par toi le monde, le nom de Christ n'est pas blasphémé? Pose-toi de bonnes questions. Parce que Satan ne va pas t'accuser. Mais ce sont tes œuvres qui vont t'accuser. Au dernier jour. Sois un modèle. Pour ta famille. Sois un modèle. Parce que la Bible dit que au dernier jour, chacun rendra compte. Seigneur, mais voilà ton problème. Sois fidèle. Ni que Dieu t'a montré. Le bon exemple.
Le bon modèle ne fait pas de ta liberté en Christ pour ce que tu veux. Sois un modèle dans l'église et dans le monde. Que le nom du Seigneur soit béni.